Ah, c'était extrêmement intense et aussi émouvant par certains côtés. J'ai reçu un accueil fabuleux de tous les Vaudois, les Vaudoises, quel que soit le niveau, que ce soit le niveau politique, institutionnel, y compris le canton de Fribourg, qui m'a accueilli sur le quai de la gare à Fribourg, et surtout la population. Je ne pensais jamais qu'il y aurait autant de monde que ceci à Nyon. Et vraiment, ça m'a profondément touché. Et vous avez insisté sur vos collègues agriculteurs de la région, qu'il fallait prendre en compte leurs besoins et leur rendre hommage, en fait. Oui, parce que pas seulement de la région, de toute la Suisse, l'agriculture vit des moments extrêmement difficiles. Je suis un paysan dans l'âme. Je vis, j'ai vécu en tant que paysan ces différentes difficultés et je ne suis pas persuadé qu'on se rend compte toujours en haut lieu du travail, des efforts, des sacrifices que font les familles paysannes pour simplement se maintenir à flot. Et ça, c'est des messages que je porterai au sein du Conseil fédéral. Très bien. Dernière question, vous êtes demain au travail dès la première heure. Vous avez encore un peu le temps de surfer sur la vague positive de la journée? Non, j'ai un tout petit rendez-vous privé, mais très tôt. Et après, je repars à Berne parce que demain, c'est la journée. J'aurai du travail le matin. J'ai une réunion à 11h dans mon nouveau département en vue de la préparation du World Economic Forum à Davos. Et puis l'après-midi, il y a la traditionnelle photo du Conseil fédéral.